Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition de la soirée dont voici l'architecture. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé via visioconférence la 19e réunion du Conseil des ministres. 5 points ont été inscrits à l'ordre du jour. 11 septembre 2001, 11 septembre 2021, cela fait exactement 20 ans depuis l'attaque de World Trade Center. Votre rédaction aura un entretien avec un Congolais vivant aux États-Unis d'Amérique depuis plus de 24 ans. Serge Tshisoukou Toumba va nous décrire cette dramatique journée. C'est le premier titre du sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé via visioconférence vendredi 10 septembre 2021, la 19e réunion du Conseil des ministres. 5 points ont été inscrits à l'ordre du jour. Le compte-rendu vous est livré ici par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 10 septembre 2021. La 19e réunion du Conseil des ministres par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen des dossiers. 5. Examen des projets des textes. 1. Communication du président de la République. La communication du président de la République a porté essentiellement sur 3 points, à savoir 1. De l'épidémie de méningite dans la province de la Tshopo. Cette épidémie se caractérise par un taux de mortalité avoisinant 50% des décès des cas rapportés. En raison de la gravité de la situation, le président de la République a instruit le ministre de la Santé publique à prendre toutes les dispositions pour contenir cette épidémie de méningite, interrompre sa chaîne de transmission dans la province de la Tshopo et ainsi éviter qu'elle se propage aux autres provinces et pays limitrophes. Le président de la République a invité le Premier ministre à mettre en place une cellule de crise en vue de suivre les activités de la riposte au quotidien et de s'assurer. Le deuxième point de la communication du Premier ministre a mis en place du mécanisme de suivi et de l'évaluation de l'action gouvernementale. Le président de la République a réitéré sa volonté manifeste d'effectuer un suivi et une évaluation régulière de l'action gouvernementale en vue de garantir l'exécution optimale des objectifs contenus dans le programme du gouvernement. La poursuite de l'instauration du mécanisme de suivi et de l'évaluation du gouvernement est un impératif qui permettra à l'exécutif de mieux calibrer son action et doter la République démocratique du Congo des moyens de sortir des affres du sous-développement. De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé une réunion d'évaluation des opérations militaires en Ituri et au Nord Kivu. Patrick Borel Mukendi et James Katamboa. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé jeudi 9 septembre 2021 à la primature une réunion de sécurité à laquelle ont pris part le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité Daniel Asselo, le ministre d'État au budget Aimé Bogi, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, les vice-ministres de la Justice Mirindi Amango, les vice-ministres des Mines Godard Motemona, les chefs d'État-major général des
forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Célestin Mbala Moussense, le commissaire général de la police nationale congolaise, Dieudonné Amouli, les gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri, respectivement Constant Dima Kangba et Johnny Luboya Kanchama. Selon les ministres de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, qui a fait les comptes rendus de cette réunion de sécurité à la presse, l'évolution des opérations de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les différents besoins liés à sa réussite étaient les différents points abordés. Vous savez qu'au mois de juin dernier, le président de la République s'est installé dans le Nord Kivu pour suivre de près l'état de siège que nous avons décrété. C'est la première décision majeure de notre gouvernement. Et il y a deux semaines, le Premier ministre a séjourné là-bas pour une mission d'inspection pour voir comment cela se passait. Et donc, il était question par rapport aux revendications que nous avons entendues et aux différents besoins liés justement à la réussite des opérations dans le cadre de l'état de siège, de faire le point, de faire l'évaluation. C'est ainsi que à cette réunion, on a associé les gouverneurs militaires qui sont venus spécialement pour donner les éléments frais du terrain qui permettent au gouvernement de mieux circonscrire la nature des besoins pour le moment et de voir comment continuer. Vous savez que nous sommes guidés par un triptyque, les opérations militaires, la sensibilisation et la démobilisation. Ce sont donc les trois points principaux qui ont été abordés durant ces échanges. Et puis, il faut savoir que nous allons nous rendre au Nord Kivu où il y a eu prise d'armes à l'occasion de la reconnaissance de grade des officiers, sous-officiers, caporaux, soldats promus. Une cérémonie ce vendredi 10 septembre haute en couleur, présidée par le général de brigade Nchikobo Ghislain, commandant de la 34e région militaire et commandant en place en présence du commissaire provincial de la ville, de la PNC. Les détails dans ce reportage. Grande parade a consacré ce vendredi 10 août la cérémonie des prises d'armes en vue de la reconnaissance des grades et des officiers supérieurs, subalternes, sous-officiers et caporaux promus au grade supérieur. Cette parade s'est tenue à la place de la tribune en plein centre-ville de Goma et a été présidée par le général de brigade Nchikobo Moulamba Ghislain, commandant de la 34e région militaire et commandant en place, à présence du commissaire provincial de la police nationale congolaise et de plusieurs autres autorités militaires de la garnison de Goma. Il faut signaler que cette cérémonie a connu trois temps forts, à savoir la lecture des ordonnances, la présentation par échantillonnage des heureux promis et un grand défilé de troupes. Prenant la parole pour la circonstance, le colonel Nyembo Kilonda André, chef d'état-major, a lu les ordonnances. Et numéro 21-0/045 du 15 juillet 2021, portant respectivement la régularisation et la nomination dans la catégorie des officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Et pour nouer l'utile à l'agréable, le commandant de la 34e région militaire et commandant en place a présenté les heureux promis aux militaires et policiers de la garnison de Goma. Lieutenant colonel, major, capitaine, sous-lieutenant, sous-officier de première, deuxième, troisième classe, Azali Soussou Bessio Anate, Toyokali. Pour le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole à la 34e région militaire, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des us et coutumes des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout cette élévation en grade vient booster le moral des militaires et policiers engagés dans les opérations au Nord Kivu dans le cadre de l'état de siège. C'est par un grand défilé de troupes au rythme de la fanfare. 12 des 19 policiers de roulage arrêtés il y a 6 mois ont été condamnés par le tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe. Sept autres ont été acquittés faute de charges. Les peines de 1 à 2 ans de prison doivent servir de leçon aux condamnés et à ceux de la police de circulation routière encore à liberté. Suivez. Il y a 6 mois, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, mettait la main sur plusieurs policiers de circulation routière, les roulages, auteurs des tracasseries et autres pratiques illicites. Cette opération menée par le commandant de la ville
était un ouf de soulagement pour la population et les conducteurs victimes de ces PCR. Transférés à la justice militaire, 19 policiers ont été poursuivis par l'auditeur devant le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe. Le verdict est tombé le jeudi 9 septembre 2021. 12 prévenus ont écopé des peines allant de 1 à 2 ans de prison pour violation des consignes. Dans le total, la vidéo est au projet Taki. Sur le total, la poids lourde, on a moins la dengue, bon, on se pèse en bas. Dengue, on a son pote à la moutouka. Pour assez la bon. Ce qui est aux huiles sous la 14e rue. On a vu le mot de l'hôpital, on a vu bande, ça c'est la 3e, a formé 3e bande. Nous sommes tels, Misaël, mais vous voyez que le général a battu le bazar, c'est pas un film, bon, on peut se pèse en bas. Sept autres accusés ont eux bénéficié de l'acquittement pour insuffisance d'éléments à charge. Les condamnés peuvent interjecter appel, mais au regard des faits et preuves ayant conduit à leur condamnation, ils risqueraient de voir leur peine alourdie. Nous allons nous rendre à Mbandaka dans la province de l'Équateur où José Mazasukuma nous décrit l'ambiance qui a régné lors de la clôture de l'année scolaire édition 2020-2021. Poursuite de proclamation ce vendredi 10 septembre 2021, dans la ville de Mbandaka, les écoles maternelles, primaires et une bonne partie des écoles secondaires ont organisé cet événement double, c'est-à-dire la proclamation et la clôture de l'année 2020-2021, ainsi que le début des vacances de 21 jours sur toute l'étendue de la ville de Mbandaka. Dans quelques écoles visitées, des cris de joie, le crépitement des sifflets et vous vous êtes là pour le gagnant, tandis que de pleurs et gémissements de l'autre côté des perdants. Au collège Shalom de M. Edim Poutou, au complexe scolaire Widal School, dirigé par Alain Bondou, et autres ambiances étaient totales. Des grandes cérémonies ont eu lieu, exemple, au complexe scolaire Image de l'Éternel, l'œuvre de Maître Blaise Mpela, comme partout ailleurs. C'était une occasion de remettre à la disposition des parents les résultats obtenus par leurs enfants pour cette année scolaire 2020-2021. Après la prière dite par Clément Massengo, président des diacres de l'Assemblée chrétienne de Mbandaka, ASEM, et les mots des superviseurs qui a introduit la cérémonie, il s'en est suivi du discours de clôture prononcé par le promoteur Blaise Mpela qui a lancé le recrutement pour l'année 2021-2022. L'Image de l'Éternel, c'est une école qui a fait maintenant 3 ans d'existence. Et notre préoccupation majeure est de former d'abord les enfants pour que ces enfants puissent faire quelque chose dans les jours à venir. Comme nous l'avions dit la fois passée dans des médias locaux ici à Mbandaka, nous appelons les parents qui sont à Mbandaka, précisément dans la ville de la province de l'Équateur, qu'ils viennent inscrire leurs enfants. Nous avons 3 sections, section maternelle, section primaire, section secondaire. Nous avons l'option scientifique, nous avons la pédagogie générale, nous avons coupe et couture qui viennent inscrire. Cap vers Kenge, chef-lieu du Kwango, chef-lieu de la province du Kwango, qui peine à emboîter les pas à la modernité. En tout cas, c'est le cas avec les images que vous allez suivre et que les images nous ont été ramenées par Paul Dor Patrick Gazemi et Patti Bouzi. Chef-lieu de la province du Kwango, Kenge fait figure de parents pauvres. Pourtant,
Elle constitue le miroir de la nouvelle province issue du démembrement. Des quartiers huppés, il n'en existe pas ici. Cependant, de manière isolée, pointent quelques belles maisons qui attirent tout de même l'attention des passants, surtout les nouveaux venus. Ici, au quartier Mavoula, l'on trouve encore des habitations en chaume, voire en terre cuite, en lieu et place des briques en ciment. Une image qui reflète en réalité un niveau de vie en deçà de la moyenne, mais surtout un déficit de modernisation et d'urbanisation. Le boulevard Lumumba est l'unique artère asphaltée de cette ville. Aucun bus pour les transports en commun. Seuls les motards, appelés communément Wewa à Kinshasa, sont visibles et sollicités pour les déplacements des personnes. Comme à Kinshasa, l'assainissement est assuré à travers l'opération King Propre, une opération qui, au-delà des avantages qu'elle peut avoir, fait souvent des victimes, surtout quand il s'agit de dégager la voie publique. Et dans pareil cas, les concernés saisissent l'occasion pour se déchaîner. Au vu de la réalité, dire que Kenge ne sera jamais construite par les pouvoirs publics n'est pas faux. En effet, son urbanisation et la modernisation de ses infrastructures reposent sur les épaules de ses fils et filles. Dans cette optique, les initiatives individuelles, plus particulièrement celles des leaders de la province du Kwango, sont vivement souhaitées et donc les bienvenues. Le coup d'État qui a eu lieu en Guinée-Conakry fait encore couler encre et salive. Aujourd'hui, nous allons devoir nous entretenir avec deux confrères journalistes. Il s'agit de Ibrahima Sako depuis Bamako au Mali et puis Kevin Sonsi qui se trouve à Cotonou au Bénin. Alors, je commence par Ibrahima Sako. Bonsoir Ibrahima Sako. Bonsoir José Moussangana. Bonsoir Kevin Sonsi. Bonjour José Moussangana. Alors, la première question, qu'est-ce qui se passe, Ibrahima Sako, en Afrique de l'Ouest? C'est comme si cette partie du continent est secouée par un mauvais vent contre le gouvernement démocratiquement ou constitutionnellement établi. Moi, je ne dirais peut-être pas un mauvais vent contre le gouvernement établi, mais je dirais plutôt une récupération du passé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le système de gouvernance est fait de telle sorte qu'en Afrique, pas en Afrique de l'Ouest seulement, qu'une poignée de mains, une poignée de personnes, j'allais dire, maîtrisent le système. Et ce système commence à étouffer le peuple. Donc, il faudra désormais s'insurger contre le système et demander un changement. Quand vous voyez un peu les Camaliens, depuis le 18 août, qui a consisté à renverser le régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, c'était justement ça. Le peuple s'est révolté contre un système qu'il a jugé peut-être un système qui lui défavorise. Donc il s'est révolté contre ça. Et c'est ce qui a conduit à la chute du régime du Béka jusqu'à l'arrivée du 24 mai, qui n'est peut-être pas pareil au premier coup. Donc le premier coup était dû au système. Oui, Kevin Sonsi, quelle est votre analyse par rapport à cette situation? Un mauvais vent souffle effectivement contre les gouvernements de l'Afrique de l'Ouest, de certains pays. Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que certains présidents de ces pays font tout aujourd'hui encore pour durer au pouvoir. Et quand ça se présente ainsi, ça frustre la population. Et souvent, ça se termine soit par des coups d'État ou soit par des soulèvements populaires. Oui, Kevin Sonsi, est-ce que ces deux coups d'État, c'est-à-dire au Mali et en Guinée-Conakry, sont-ils précurseurs à bien d'autres dans la région? José, ces deux coups de force que nous avons remarqués au Mali, puis en Guinée, pour moi, constitue un signal fort donné à certains présidents des pays de l'Afrique de l'Ouest qui font tout pour durer au pouvoir, ceci à travers des modifications de la constitution ou par des trucages des élections. Et le coup de la Guinée aujourd'hui
démontre à tous que aucun président ne peut plus compter sur son armée pour prétendre réussir des coups que nous remarquons d'ici et là en Afrique de l'Ouest. Ibrahima Sako, je voudrais avoir votre réaction quand même par rapport à cette question. Oui, visiblement, ça peut être une prévention pour d'autres gouvernements dans la sous-région qui sont en train de marcher avec le même système de la Guinée et du Mali. Parce que, comparativement au Mali, le cas guinéen n'est pas aussi identique. Parce que le cas guinéen, c'était tout simplement un coup d'état constitutionnel contre la constitution et voilà, par le président tout récemment déchu par les militaires. Maintenant, tant que ce système continue de se passer un peu partout dans la sous-région, c'est prévisible qu'il y aurait d'autres coups d'état dans la sous-région. Donc, il faudrait que les chefs d'état qui dirigent nos pays se ressaisissent en pensant un peu au peuple malien, en disant tout simplement qu'on ne peut pas s'éterniser au pouvoir et on ne peut pas continuer tout le temps à prendre le pouvoir et les pouvoirs en otage et voilà, et tout simplement le peuple va subir les conséquences. Donc ça peut pas continuer. Je crois que les cas maliens et les cas guinéens, c'est un avertissement contre les autres chefs d'état de la sous-région qui peut-être en train de faire la même chose ou pensent faire la même chose. Oui, Ibrahima Sako, pensez-vous que ces putschistes vont faire mieux que ceux qu'ils ont chassés du pouvoir? Donc aujourd'hui, il est impératif que les gouvernants pensent réellement que voilà, le peuple malien ne peut pas continuer à subir les conséquences du système. Donc ils pensent à changer le système qui était là depuis bien longtemps, qui semble être obsolète. Donc tant que ce système continue à persister, il y aura toujours des renversements de pouvoir et le peuple va toujours se lever et demander ce qui lui revient comme droit. Kevin Sonsi, est-ce que vous pensez vraiment que ces putschistes feront mieux que ceux qu'ils ont chassés du pouvoir? José Moussangana, j'ose croire que les putschistes mettront un boucher double pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que ce qui se passait dans le pays. Et je pense sincèrement qu'ils feront tout pour que la population ne subisse pas à nouveau. Mais dire qu'ils feront mieux, plus que le président à qui ils ont arraché le pouvoir, serait un leurre. Merci Ibrahima Sako, merci Kevin Sonsi pour toutes ces analyses. Merci d'avoir éclairé nos lanternes. Au revoir. Merci José Moussangana. Merci José Moussangana et bonne soirée à vous et à tous les téléspectateurs d'Antenne A. En septembre 2021, cela fait exactement 20 ans depuis l'attaque de tours jumelles ou le World Trade Center. Alors, il y a un Congolais résident aux États-Unis qui s'y trouve depuis plus de 24 ans. Il s'appelle Serge Tshisoku Tumba. C'est avec lui qu'on va devoir s'entretenir pour avoir des éclaircissements et même après, en septembre, comment les Américains vivent l'après l'attaque de World Trade Center. Bonsoir Serge Tshisoku Tumba. Bonsoir José Moussangana, comment ça va? Oui Serge, je me porte à merveille. Une question, vous vivez aux États-Unis depuis plus de 24 ans et lors des attaques des tours jumelles, vous étiez à Chicago. Et comment avez-vous passé, n'est-ce pas, cette journée dramatique? Je me préparais à partir à l'université le matin du 11 septembre 2001. Mais malheureusement, j'étais forcé de rester à la maison après avoir reçu un coup de fil d'un cousin qui vivait à New York, qui m'avait relaté ce qui se passait. C'était une journée où j'étais resté cloué à la maison en train de regarder la télévision, suivant les nouvelles et aussi au téléphone, parlant avec les amis, la famille, juste pour se rassurer que nous étions tous en vie. C'était vraiment une journée d'angoisse. Et aujourd'hui,
20 ans passés, comment les Américains vivent-ils cet événement si douloureux, si dramatique? Pour ce 20e anniversaire de l'attaque la plus meurtrière de l'histoire sur le sol américain, et tout comme chaque autre 11 septembre, l'Américain en général commémore la perte en vie humaine d'environ 3000 personnes tuées lorsque les 19 terroristes ont détourné et transformé 4 avions commerciaux en missiles qui ont fait pleuvoir la mort sur la ville de New York, le Pentagone et une zone rurale en Pennsylvanie. Il faut dire que ces attaques ont entraîné beaucoup de changements. Et d'ailleurs, ces attaques ont changé la façon dont le gouvernement américain fonctionne. Et cela a aussi changé les objectifs du gouvernement en termes de protection du peuple américain. Le peuple américain n'oubliera pas ces attaques. Et chaque 11 septembre, les gens visitent le très impressionnant mémorial construit là où s'élevaient les tours jumelles du World Trade Center. Et j'ai appris que le président Joe Biden y sera. Oui, Serge, aujourd'hui, l'Amérique ne craint-elle pas des attaques similaires, surtout par rapport au retrait, n'est-ce pas, de ces soldats du sol afghan? Et puis, avec tout ce qui se trame, n'est-ce pas, au Moyen-Orient, est-ce qu'il n'y a pas une crainte? Je pense que la reprise du pouvoir par les talibans marque un tournant géopolitique important. Je pense que d'autres puissances comme la Chine, la Russie, la Turquie et l'Iran vont réellement s'imposer sur le terrain. Mais je pense aussi qu'il n'y aura pas un autre 11 septembre. Du fait que les talibans ont repris Afghanistan, je ne pense pas. Je ne pense pas car l'Amérique a beaucoup appris. A beaucoup appris de ses erreurs, je pense. Et même le service des renseignements américains ont aussi beaucoup appris. Je vais vous demander de lire l'accord de Doha. L'accord de Doha avait été signé si mes souvenirs sont fidèles, le 29 février 2020 à Doha, au Qatar, entre l'administration Trump et les talibans. Essayez de lire, vous comprendrez beaucoup sur certains enjeux. Merci Serge pour tous ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes actuellement à Michigan, à l'état de Michigan, précisément à Novi. C'est vrai que lorsque cette situation dramatique s'est produite, vous étiez à Chicago. Merci. Merci, José Moussangana. Et saluer pour moi James Katamboa, qui est un grand ami à moi de très longue date, et bien de bonnes choses à vous et à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, ce rappel de titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé via visioconférence la 19e réunion du Conseil des ministres. 5 points ont été inscrits à l'ordre du jour. 11 septembre 2001, 11 septembre 2021, cela fait exactement 20 ans depuis l'attaque de World Trade Center. Votre rédaction a eu un entretien avec un Congolais vivant aux États-Unis depuis plus de 24 ans. Serge Tshisoukou Toumba nous a décrit cette situation dramatique. Voilà, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la chaîne des références. Au revoir.
We'll be right back.